Neymar va signer en Arabie Saoudite. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Neymar Junior. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors les gars. Neymar va signer en Arabie Saoudite, les gars. Pour environ 100 millions d'euros, un accord, c'est déjà quasi fait. C'est quasi fait. Et ce que moi je retiens sur Neymar, c'est un talent gâché. C'est un talent gâché. On se rappelle lorsque Neymar vient en Europe en provenance de Santos, tout le monde se dit, how? Que c'est vraiment un talent énorme. Tout le monde saute sur son siège. Tout le monde saute sur son siège tellement. Le mec était bourré de talent. Le mec pue au football. Mais dès qu'il a quitté le Barça, ça a commencé à être le désarroi. Ça a commencé à être la chute de Neymar. Neymar a commencé à les fêtes, les boîtes de nuit. Ça ne jouait plus au foot. Ça pensait seulement aux fêtes. Ça jouait au poker. Le football ne manque pas, les gars. Le foot ne manque pas. Lorsque tu n'es pas professionnel, à un moment donné, tu vas le payer cash. Regardez Eden Hazard. Regardez Eden Hazard. Eden Hazard ne s'entraînait pas aux entraînements. C'est passé pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais dès qu'il arrive au Real de Madrid, ça a payé cash. Son manque de professionnalisme lui a joué un sale tour. Ça lui a joué un sale tour. Donc, lorsque tu n'es pas professionnel, à un moment donné, tu vas le payer. Tu vas le payer. Et c'est ça qui est arrivé à Neymar. Une fois de plus, c'est que moi je retiens Neymar. C'est un talent gâché, un talent qui aurait pu avoir au moins un ballon d'or minimum. Minimum un ballon d'or. Minimum un ballon d'or. Donc, je suis un peu déçu de Neymar. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es fier de la carrière de Neymar? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.